Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes achats soldes et un peu tout ce que j'ai acheté au mois de janvier. Donc déjà je voulais vous parler de ma petite absence, on va dire ça comme ça. J'ai pas pu vous poster de vidéo dimanche dernier ni mercredi, tout simplement parce que, enfin je vous l'ai déjà dit, j'ai toujours des gros soucis pour mettre en ligne mes vidéos. Je sais pas pourquoi YouTube n'accepte pas mes vidéos. Et ce qui fait que les mises en ligne sont hyper longues quoi. Je laisse tourner pendant 4-5 jours avant que la vidéo soit en ligne. Enfin bref, c'est juste horrible. Et là j'avais deux vidéos à vous poster pour la semaine. Et j'ai pas réussi quoi à vous les poster. Sauf celle que vous avez vue dimanche, j'ai réussi à la sauver. Mais à l'autre vidéo, il va falloir que je la fasse. J'ai résolu le problème qui venait de l'appareil photo. Mais j'ai un autre problème maintenant qui vient du logiciel avec lequel je monte avec Final Cut Pro. Donc voilà, donc c'est toujours la même, mais ça revient doucement. Ensuite, j'avais prévu de vous filmer une vidéo solde, sauf que vous allez voir, j'ai pratiquement pas acheté de solde. Il y avait vraiment vraiment rien cet hiver. Nous, en Lorraine, on a la chance d'avoir les soldes qui commencent le 2 janvier. Donc je les ai fait le 3 janvier, j'avais prévu de bosser la vidéo le 4 janvier, sauf qu'au final ça s'est pas fait. Bref. Donc je vais vous montrer un peu les petits achats. Je suis retournée en Allemagne entre temps, pareil, j'ai refait des petits achats, donc je les ai incorporés et puis j'ai mis mes achats hors solde aussi dedans et j'ai fait plein d'autres achats, mais ça viendra dans d'autres vidéos. Et vous avez déjà la vidéo de mes anciens achats en Allemagne que j'ai fait aussi ce mois-ci, que je vous ai déjà posté. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc on commence tout de suite par Sephora. Donc Sephora, j'y suis allée vraiment à l'ouverture le samedi. Et dans le premier Sephora, donc au Saint-Seb pour les anciennes, je n'ai rien acheté. Et le deuxième, j'ai acheté une bougie, la noix de coco, les mêmes qui étaient en solde au solde d'été que j'ai bien aimé. C'est vraiment des bougies qui je trouve sentent très bon. Et là je voulais celle à la noix de coco, donc j'ai payé 1,49€ au lieu de 4,95€. Et voilà, je les aime beaucoup, donc c'est la seule noix de coco que j'ai trouvée dans Nancy. Et en deuxième, j'ai pris ça, c'est les lingettes à démaquiller réutilisables que j'ai payé 4,17€ au lieu de 5,95€. Alors moi, je pensais qu'il y en avait plusieurs, mais au final, c'en est juste une entière comme ça, dans une matière un peu bizarre, qui est énorme. Donc je les ai encore peu utilisées, alors ça fait un moment que je les ai. Mais je pense que je vais les couper et que je les utiliserai puis je les laverai. Donc on verra. Donc voilà, donc en tout j'en ai pour 5,66€ et j'ai eu 5,24€ de remise. Ensuite chez Monoprix, j'ai acheté un OPI comme ceci. Je sais même pas si vous verrez exactement la couleur, il pète plus. Donc c'est le Passion Purple. Et voilà, c'est un OPI et ça je l'ai payé 6,95€. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cette couleur que j'ai déjà portée. Ensuite, chez Zara, je me suis trouvé un petit haut qui malheureusement n'est pas repassé. Je l'ai lavé mais je ne l'ai pas repassé. Donc il est comme ceci, alors qui est tout blanc avec un liseré tout autour, des manches longues. Il est vraiment tout simple, mais je trouve que il tombe vraiment très bien. Il est très agréable à porter. Je sais pas c'est quoi la matière, il est vraiment très agréable. Je l'ai beaucoup aimé et je suis toujours à la recherche de ce genre de hauts qui sont loose et voilà, qui font habiller. Est-ce que je vais trouver? Non, je trouve pas la matière. Ah, la voilà, nanani. Non, c'est pas, je sais pas c'est quoi la matière, mais voilà, mais je l'aime beaucoup. Et ça, je l'ai payé, j'ai perdu tous mes tickets, bravo Adeline. Je l'ai payé 29,99€ au lieu de 39,95€. C'est pas une grosse remise, mais j'ai vraiment flashé dessus. Et ensuite, je suis tombée sur un haut que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, parce que j'ai déjà porté, et pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous l'ai mis en photo. Il s'agit de ce haut que j'ai acheté à la boutique C'est Comme Ça, qui est à Nancy. Alors qui est, je perds vraiment tous mes tickets, qui est rue de la Faïencerie, qui est en fait la rue qui continue la rue des Dames, dans la boutique C'est Comme Ça, et c'est de la marque Sick June. C'est en fait comme un haut de baseball, donc c'est une taille S, mais elle taille hyper grand. Et voilà, et l'arrière est comme ceci, et voilà, et je l'aime beaucoup. On est hyper bien dedans, les manches sont comme ceci. Voilà, pour traîner ou quoi, ou ça donne vraiment un style quoi, avec les roses comme ça, il est
canon, il est magnifique. Et c'est vraiment une marque que j'ai eu comme coup de cœur. Et dernièrement, là, j'ai acheté des chaussures en avant-première. J'ai précommandé des chaussures et j'attends de les recevoir. Mais pareil, voilà, c'est vraiment une marque que j'ai adorée. Et ça, je l'ai payé 24,50€ au lieu de 35€. Et c'est tout pour mes soldes. Donc clairement, j'ai pratiquement rien acheté, j'ai rien trouvé. Après, j'avais pas besoin, enfin si, j'avais besoin d'articles, mais voilà, ça m'a saoulé quoi. Ensuite, on va passer en Allemagne. En Allemagne, je suis retournée chez Douglas où j'ai pris mes gels de douche. Faire comme ça, voilà. J'ai pris les gels de douche que j'avais vu la première fois que j'y étais allée et que j'avais pas assez d'argent pour me les prendre. Et là, je me suis dit, bon, je les prends. Donc il y a 6 gels de douche, il y a Raspberry Blackberry, Cranberry and Cream, Mango and Papaye, Coconut and Cream, Lemon and Lime, et le dernier c'est Vanille and Ice Cream, un truc comme ça. Et c'est vraiment, donc c'est de la marque I Love, et c'est vraiment des gels douche qui sont vraiment hyper bon. Et ça je l'ai payé 12,99€ les 6. Et en Allemagne, chez Douglas, ils vous font un cadeau, et en cadeau ils vous offrent un fard à paupières, donc de la marque Douglas. C'est la teinte claire 10 et c'est un blanc irisé qui est mais vraiment magnifique pour, voilà, pour la touche lumière. Je l'adore et franchement, voilà, avec Flora, même Flora l'a eu, elle a pris moins cher que moi. Et on s'est dit, putain, c'est pas en France qu'ils font ça quoi. Voilà, ensuite... Alors, je vous ai fait sur mon blog un article spécial sur l'Allemagne, si vous voulez y aller. J'en avais déjà fait un mais qui datait d'un an, donc je l'ai refait. Et en fait, en Allemagne, on a tilté un peu avec Flora qu'il y avait du... Merde, j'ai plus la marque. Des Yankee Candle. Ouah, j'avais oublié la marque. Qu'il y avait en fait un magasin, Yankee Candle, qui se trouve au Karstadt. Le Karstadt, c'est comme un Primark ou une galerie Lafayette. Et il y a tout au fond, un peu reculé, une boutique Yankee Candle. Donc on y allait avec Flora. Flora a déjà eu des Yankee Candle, moi jamais, parce que je voulais absolument sentir. Et c'était l'occasion. Et dans toutes les senteurs qu'il y a eu, j'en ai trouvé deux. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes assez difficile au niveau des senteurs et des odeurs. Voilà, vous savez pas, vous osez pas trop, vous vous dites que vous allez être déçu. Partez sur des bases, sur des choses que vous êtes sûr d'aimer. Il y en a qui sentent bon, tout le monde dit la cookie and cream, enfin je sais plus quoi, cookie ou vanilla ice cream et tout. Mais ça sent, en fait ça sent vraiment ce qu'ils disent. Donc si vous aimez pas les odeurs sucrées à la base, ne prenez pas des odeurs sucrées. Si vous aimez pas les odeurs fruitées, prenez pas du fruité, enfin voilà, ainsi de suite. Et moi j'ai vraiment les odeurs qui sont très simples et j'ai pris la clean and coton dont on entend beaucoup parler. Donc c'est coton fraîchement lavé qui sent, voilà... qui sont vraiment le propre et j'aime beaucoup. Et l'autre c'est la Midsummer Night, donc nuit d'été, qui là pareil c'est une odeur, bah là on peut pas trop décrire, mais ça a une odeur de frais et de fleurs quoi. Et ça je les ai payés 2,19€ l'une, et il faut juste que j'achète un brûleur parce que là-haut ils étaient moches leurs brûleurs et je pourrais les faire brûler. Ensuite on est retourné chez Primark. Donc chez Primark, je me suis pris un lot de collants. C'était pas ça. Qu'est-ce que j'ai sorti? Bah je pensais les avoir sortis les bons, mais c'est pas les bons. Enfin bref, je me suis acheté un lot de 3 collants en 40D, je sais plus comment on dit. En 40D, et je les ai payés 4€, donc c'était les plus clairs. Ça valait le coup. Ensuite, j'ai pris une écharpe. Je l'avais déjà vue. Enfin, c'est pas trop une écharpe, c'est un tube comme ça, avec un croisement qui est hyper serré. J'avais déjà vu la première fois et je me suis dit, est-ce que tu vas vraiment le mettre? Et je l'avais pas pris. Et là, je suis retombée dessus. Et au final, je l'ai pris. Je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment la très bonne dimension. Et il vous tombe vraiment bien pour que vous ayez chaud, ni que ça soit trop loose, parce que sinon vous avez froid, ni trop serré. Et il était en solde et je l'ai payé 3€. Ça m'énerve ces tickets qui tombent. Et j'ai aussi acheté des bigoudis comme ça pour faire des boucles. Donc c'est un lot de 6 et ça je les ai payés 2€. J'ai déjà essayé une fois mais je me supporte pas avec des boucles. Et j'avais aussi pris un pyjama en une pièce de la tête aux pieds panda pour une copine que j'ai payé 14€ et elle voulait une espèce de petite...
un petit truc qu'on met comme ça en fourrure. Ça qui était en promo et que j'ai aussi payé 3 €. Donc franchement ça valait le coup. On est aussi allé chez DM. La première fois on n'y était pas allé, donc là on y est allé. J'ai pas pris beaucoup de choses, j'ai pris que ce dont j'avais besoin. Je me suis repris mon amour de toujours, mon protecteur de chaleur de chez Elnett qui coûte 4,95 € en Allemagne. La marque Elnett coûte moitié moins cher par rapport en France, donc ça vaut vraiment le coup. Et voilà, je vous en ai déjà parlé, vous savez que c'est mon préféré et que ça sera mon préféré pour un long moment. J'ai également pris le Triacle Moon Wanginger Morning avec un magnifique accent. Voilà, j'aime beaucoup l'odeur qui réveille et je me la suis, voilà, je les reprends en petit, j'ai pas envie de me l'acheter en gros. Voilà, je les reprends en petit, putain, ça va être dur, et j'ai payé 95 centimes. Et j'ai pris mon rouge à lèvres. Voilà, je vous l'avais mis dans mes favoris, je vous avais dit qu'il était fini et que malheureusement je pensais que son packaging rouge venait d'une édition limitée, alors que non. Donc c'est le Mona Lisa Smile dans la marque P2 que j'aime beaucoup, qui est en fait de la même couleur à peu près que mes lèvres. Il va juste venir les rehausser et je l'aime beaucoup, je le mets beaucoup beaucoup. Et voilà, et celui-là j'ai payé 1,95 €. Et maintenant, on va passer à tout ce que j'ai acheté qui n'était pas en solde. Donc chez Auchan, où je fais toujours mes courses, j'ai pris mon déodorant. J'en ai un autre que je vous mettrai dans mes flops pour mes favoris du mois de janvier. Voilà, j'ai testé, j'ai essayé, c'est pas possible. Donc je retourne à mon amour de toujours aussi, qui est le Nartares Exil. Et il y a vraiment que lui qui est vraiment vraiment efficace sur moi, avec qui j'ai pas de soucis. Et voilà, et même si j'oublie par exemple d'en mettre, il n'y a pas de souci, c'est opérationnel quoi. Et ça, par contre, il a quand même son prix, il coûte quand même 4,18 €, mais il est vraiment efficace. J'ai également pris mon eau florale de chez Sanoflore, j'ai bientôt fini ma lotion et je voulais retourner à des eaux florales et arrêter un peu tout ce qui était pour peau mixte à grasse. Donc j'ai pris celle aux fleurs d'oranger qui est pour peau douce et confortable. Voilà. Et ensuite j'ai pris un shampoing de la marque Ducré qui est extra doux parce que mes cheveux en ce moment font beaucoup de réactions, beaucoup de sporoasis, beaucoup ils graissent très très vite. Donc là je leur ai juste acheté ça pour vraiment les laisser tranquilles au niveau de la racine. Arrêter, j'ai plus rien mis dessus, je les ai même pas séchés, je les ai juste lissés de la longueur. Essayer de les laisser tranquilles parce que là c'est plus possible. Voilà, tous mes produits pour cheveux gras, je trouve qu'ils réagissent beaucoup beaucoup plus et qu'au final ça les traite pas et que ça les agresse encore plus. Donc je vais essayer d'avec ça voir ce qu'ils en disent, sinon bah, je retournerai voir mon dermato. Ensuite chez Cora, je me suis acheté une brosse à dents électrique. En fait avec mon travail j'ai eu des cartes cadeaux et j'ai eu 50 € chez Cora. Donc je me suis acheté un tourniquet pour mes capsules Tassimo et je me suis acheté aussi une brosse à dents. Voilà, je voulais une brosse à dents électrique depuis un long moment. Donc j'ai pris l'une des moins chères mais l'une des pas trop chères non plus. Donc c'est la Oral-B et c'est la Vitality Prévision Clean Deluxe où j'ai eu deux brosses que j'ai payé 30 €. Et j'aime beaucoup, elle a un timing de 2 minutes. Donc vous vous brossez les dents pendant 2 minutes. Au début c'est vrai que les vibrations, voilà, c'est pas top, il faut, voilà, et après on s'y fait. Mais je trouve que ça brosse vraiment mieux les dents, moi qui est toujours... ce truc de me passer la langue sur les dents et d'avoir les dents bien lisses, et ben c'est vrai que je trouve que mes dents sont beaucoup plus propres et beaucoup plus longtemps. Et voilà, je préfère beaucoup, enfin mille fois l'électrique que le manuel. Après c'est voilà, c'est chacun ses goûts. Ensuite chez L'Occitane, j'ai été m'acheter ma crème main à croquer à l'amande que je vous ai déjà parlé, qui est un gros coup de cœur pour moi. Et j'ai été assez surprise parce que les 30 minutes, je les ai payées 7,50 €. Je m'attendais à beaucoup plus parce que je sais que les produits L'Occitane coûtent extrêmement cher. Et au final, non, 7,50 €. Donc voilà, donc j'ai craqué, je suis allée me la reprendre et c'est vraiment ma crème favorite. Elle sent hyper bon, l'odeur reste vraiment très longtemps, elle fait pas d'effet gras, elle hydrate très bien les lèvres, les mains. Voilà, je l'adore et je vous la conseille. Et pour finir, j'ai un dernier achat de chez Lidl que j'ai payé 99 centimes, qui est en fait un sachet comme ça. Hop. Et c'est de l'exfoliant, un peeling pour la douche, sésame,
Non, vanille et huile de sésame qui se présente sous forme de sucre. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, de sucre comme ça et vous venez gommer. Alors ça sent hyper bon, j'adore l'odeur. C'est hyper efficace, ça gomme vraiment. Moi j'adore les bons gommages pour le corps qui, voilà, qui gomment. Et aussi elle laisse un espèce de film hydratant. Et franchement c'est génial. Et pour son prix, là j'ai déjà fait 2 utilisations avec. Et j'ai assez pour en faire limite une troisième. Et franchement j'adore, je suis tombée là-dessus pendant une de mes visites chez Lidl, que voilà, une copine, enfin Flora m'a emmenée chez Lidl et je dis tiens je vais tester. Mais franchement je vais y retourner et je vais m'en reprendre parce que c'est vraiment un gros coup de cœur et je vous conseille d'y aller plutôt que d'acheter des beurres corporels chez The Body Shop à 15 €. Achetez un exfoliant comme ça et vous verrez c'est génial. Voilà les filles pour mes achats, j'espère que ça vous aura plu, mes petites soldes, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt !